aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là vraiment on est trop contente. Ça fait plusieurs mois qu'on prépare cette vidéo parce qu'on va faire avec vous un swap. Mais ça va pas être un swap normal, ça va être un swap calendrier de l'Avent. Donc tous les jours on va ouvrir une case. Après malheureusement avec Elsa on n'est pas ensemble tous les jours. Donc il y a quelques fois où on va ouvrir deux ou peut-être trois cases ensemble. Là déjà pour commencer on est déjà le 2, donc on va ouvrir le 1 et le 2. Bon, c'est pas grave, hein, ça nous fera plus de cadeaux d'un coup. Mais voilà, vraiment, on avait trop hâte puisqu'on prépare ça depuis un petit moment. Et on adore ce genre de vidéos, donc on est trop contente de faire ça avec vous. C'est parti! Du coup, on va faire la vidéo en deux parties. Aujourd'hui, vous avez la première partie où on va ouvrir avec vous les cadeaux de 1 à 12, donc pas tous en même temps. Et après, vous aurez donc la semaine prochaine la deuxième partie, donc ce sera du 13 au 24. Alors Elsa a choisi de faire sous forme de gros cartons avec plein de cadeaux et moi j'ai décidé de faire sous forme un peu de ficelle où il y a tout qui est accroché, donc je vous mettrai une petite vidéo. Qui ouvre en premier? Bah toi. Moi? Ouais. Donc le 1, on a une petite pochette comme ça avec une petite étiquette, trop mignonne. Donc je sais pas comment t'as fait, du coup t'as fait une énigme à l'intérieur? Ouais. Ok. Moi j'ai fait un peu différemment, j'ai fait une carte. Par contre, je me suis dit que je te faisais confiance. Elle est trop belle. Je regarde qu'un numéro. Voilà. Là. Oui. Attends, je regarde juste à l'intérieur comment c'est. Quoi? Ah non, je suis mince, donc vraiment qu'elle soit belle. Elle fait du bruit. Je vous dis pas comment j'ai galéré. Quand j'écrivais, il y avait la musique. Sauf que j'ai écrit pendant 30 minutes, j'ai écrit avec ça. Ça m'a dit d'être insupportable. C'était horrible. Mais elle est trop belle. Alors, est-ce que tu auras de la chance en ce premier cadeau? Point d'interrogation. De la chance. Et à chaque fois, j'ai fait des petits dessins. Bon, j'ai pas un dessin. Enfin, je suis pas très talentueuse en dessin, mais. Enfin. Ah, mais je pense que c'est des tickets à gratter. Bah, ouf. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous avez vu, notre premier swap, c'était notre swap d'anniversaire. Donc, l'année dernière, j'avais trouvé tous les cadeaux. Léa, ouais, c'est vrai. Elle avait trop la mort. J'étais trop nulle et Elsa était trop forte. Du coup, elle m'a offert 3 petits jeux à gratter. Donc bah je les gratterai tout à l'heure et je vous dirai peut-être si j'ai eu de la chance ou pas. Allez, à moi. Non, je crois pas. Hello, je pense que tu attendais le premier avec impatience et ça y est, on y est. J'espère que tout te plaira, je t'aime fort. PS, je te fais confiance pour ne pas regarder tous les numéros à l'avance avec un petit clin d'œil. Donc 1, parce que de base c'est ça un calendrier de l'avant, plus petit bonus pour ce qu'on en a fait. Non mais en fait Elsa c'est du chinois ces énigmes. Non c'est hyper facile. Non si on a regardé le premier elle me faisait des textes et tout. Non mais franchement elle est là. C'est comme ça. En plus toi t'es paquet, on peut même pas. Si tu es touché. Je comprends. Il crasse pas trop. Il a une forme pas plus. T'es un enfant. Parce que de base c'est ça un calendrier de l'Avent. Allô, SVB, il y a écrit la réponse sur mon front. Plus petit bonus pour ce qu'on en a fait. Du chocolat? Je sais pas, ouvre! Bon bah, peut-être du chocolat, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Moi, c'est trop chou comment t'as fermé les paquets. Ah! Enfin, je sais pas, c'est les que je trouve le plus. Dites-moi si vous avez compris. J'adore, il est énorme. Alors là, c'est sûr que j'ai. Dès ce soir, je pense que ça va plus. Ah, un petit truc Rituals. C'est une mousse. Ah, shower gel. Oh, vraiment, en fait, j'adore Rituals. Vraiment j'adore, merci. Je vais encore dire merci à chaque fois. Bon du coup on va ouvrir le numéro 2. Du coup je vais prendre un autre 2. Ça va être horrible de faire un chaque jour. Ouais vraiment, mais bon après ce sera demain. Parce qu'ils ne sont pas assez longs, oups. Bon, connaissant Léa, je pense qu'elle parle de mes cils. Non, il faut prendre au second degré. Ah mes cheveux. Bah c'est un truc pour les cheveux. Ouais mais c'est quoi? Peut-être une huile pour faire pousser ou pour prendre soin. Vas-y, ouvre. Ah, je connais pas du tout la marque. C'est Freshly Cosmetics. Tu sais, c'est le truc de Stel. Ah non. Enfin, ça me dit rien, je crois. Enfin, bah, de nom, oui. Et c'est quoi, du coup? Pour faire pousser les cheveux. En fait, vraiment, ses cheveux, ils sont super, super longs. Elle en prend hyper soin et du coup, j'ai trouvé ça. Ah oui, Air Grumps and Density. Traitement. Je t'expliquerai un peu, mais en gros, faut que t'en mettes tous les soirs en racine que tu masses, ça fait pousser. J'adore, je vais avoir les cheveux de réponse. Par contre, regardez le packaging, j'aime trop, il est magnifique. Ça, vraiment, je suis trop fan. Non, mais là, c'est horrible, ça va être cher, faut attendre demain. Ah ouais, j'ai pas envie d'attendre demain. Moi non plus, je vais tout ouvrir, je crois. Allez, à moi.
Parce que tu as adoré les miennes et que celles-ci sont magnifiques. J'en ai marre de chercher avec Elsa. Déjà deux, il faut que je les trouve. Hein. Mais ils sont trop choux les paquets, vraiment. J'adore. Mais je peux rien sentir, toi. Essaye de faire un peu comme ça. Ah, des boucles d'oreilles. Peut-être. Je pense au bruit que c'est un bijou et je pense des boucles d'oreilles parce que j'avais adoré tes grosses boucles d'oreilles. Elles sont trop belles. Ah, j'adore. Je vais les essayer direct. Ah, elles sont trop belles. Merci. Donc du coup, rendez-vous demain pour le numéro 3. Jour 3 du calendrier de l'Avent. On est trop contentes. On avait trop hâte. Hier soir, on avait vraiment envie de tout ouvrir. Tu veux commencer à ouvrir? Non, hier j'ai commencé commence. Allez. D'ailleurs, si vous avez vu, pour le premier cadeau que j'ai eu, c'était des tickets à gratter. Si ça vous intéresse, j'ai gagné 1€. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, ça va. 3. L'accessoire indispensable de l'hiver. Indispensable de l'hiver. Elle est vraiment nulle. Ah, j'ai l'impression que... Mais ça va, laisse-moi réfléchir, je touche. Je me fais agresser. J'ai l'impression que c'est des grosses chaussettes ou des petites pantoufles. J'arrive pas à savoir entre chaussettes et pantoufles. Ah, combien? Je sais pas si c'est plus des chaussettes ou plus des pantoufles. Un peu des deux, non? Ouais, un peu des deux. Ah, oh, j'adore. Oh non, mais je vais les mettre direct. Il fait trop froid. Tu sais que j'avais trop envie de les garder pour moi. Logique. Genre, elles sont hyper... je sais pas, rembourrées. Genre, j'ai jamais vu ça de ma vie. Elles sont toutes douces. Elles sont énormes. Enfin, en fait, c'est pas des chaussettes que je pourrais porter et mettre des bottes. Parce que genre, vraiment, elles sont méga épaisses. Mm. Mais je pense que je vais vraiment les porter tous les jours. Enfin, tu sais, tous les soirs en pantoufles et tout. Là, pour traîner et tout. Ah, je vais être trop bien. Merci, j'adore. À moi. Papa va encore dire qu'on en a trop MDR. Du coup, je pense que c'est une tasse. Quand même, mon père, il en a trop marre. Ça m'a l'air d'être une tasse. Ah, j'aime trop. Ah, elle est magnifique de chez Magnifique. Ah, attends, mais... franchement, j'avais peur que... Je sais pas, j'ai mal choisi et tout. La taille, elle est trop bien et tout. Ah non, elle est trop trop belle. Bah, je vais boire mon chocolat chaud de 4 heures là. Tout de suite là. Merci. Alors, jour 4. Au programme Chill and Cocooning. Ah, des masques. Des masques en tissu. En vrai, j'aimerais trop parce que j'ai fait tous les derniers là. Ah, trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Alors, un pastèque, c'est pourquoi? Désaltérant repulpant. Trop bien. J'aime trop les masques. Lui, c'est les classiques. Et lui, c'est pas un classique. Je me suis dit, ça peut être trop bien. The Emblem Masque Chanvre. Ça veut dire quoi? Je sais pas, mais je dis que c'était matifiant. Du coup, on a la peau grasse. Trop bien. Bah, je vais tester et je vous dirai ce que j'en pense. Merci. Trop pratique dans un sac à main et pour sentir bon en toutes circonstances. Un parfum? Un petit? Ouais, je sais pas. Ouais, c'est sûr, c'est un parfum adopt. Oh, trop bien. J'aime trop. En plus, vraiment, c'est trop pratique. Ah, il sent bon. Il sent trop, trop bon. J'aime trop. Moi, j'aime trop. Ah, ouais, j'aime trop. Merci. Ah, c'est trop pratique ça. Vraiment, je l'en mets partout. Ça va être mon nouveau parfum. Bon, aujourd'hui, journée spéciale, on va ouvrir 3 cadeaux. Je serai pas là de la semaine, donc on va les ouvrir en avance. Mais nous, c'est pas grave, ça nous dérange pas. Ça nous dérange de les ouvrir maintenant. Parfait pour ta nouvelle chambre. Et puis, ça t'évitera de prendre tes pots horribles. C'est marqué pots? Oui. Des pots horribles. Ça a l'air bon. Alors, vas-y. Elle a souri en mode oui, c'est ça. Et après, elle a fait non, vas-y, ouvre. Trop bien. Ah, il est grave trop beau. Ça me fera de la nouvelle déco. Oh, franchement, il est trop beau. Merci. À moi le scent. C'est trop chou. Une petite routine sera de retour. Non, mais il est pas trop chou. Tu veux dire, il est trop bien dessiné. T'as décalqué. Oui. Ça se voit de ouf. Non, mais elle croyait que j'allais pas savoir. Ah, j'aime trop. C'est une petite pochette qui a plusieurs produits. Peut-être Caudalie ou un truc comme ça. Ou peut-être Lierac en vrai. Peut-être que t'as repris. Ou une marque, une autre, je sais pas. Caudalie ! Ah, trop bien ! Elle avait plus de crème pour le matin ou de routine matin. Je me suis dit, non, mais faut que je te prenne ça et tout. Mais tu sais que je voulais trop. En plus, je voulais vraiment trop tester Caudalie. Je vais vous dire ce qu'il y a. Alors, on a une mousse nettoyante, une gelée d'eau de raisin. Donc, ça, je sais pas trop pourquoi c'est. C'est une crème. Ça, c'est la crème que tu mets le matin. Ensuite, on a un gel douche et un soin corps nourrissant. Donc, une crème. Ok. Trop, trop bien. Oh, merci. Ah, je suis trop, trop contente. Vraiment. Allez. Sixième. Ah, ça va être trop bien aujourd'hui. Pour être sexy, même caché. Waouh. Toujours ces trucs sont bizarres.
Non, en vrai, j'ai peut-être une petite idée, genre un sous-vêtement. Bah, une culotte ou un soutien-gorge, je pense. Bah, en vrai, je pense que c'est une culotte. Au paquet, franchement, bah, la description, je pense que c'est une culotte. Ah, trop bien! Oh, elle est trop belle! J'adore avec les petits trucs sur le côté, là. Trop beau, merci! Là, il y a eu un petit problème avec le cadeau pendant l'installation. Donc, Elsa sait que c'est un truc fragile parce qu'il est cassé, mais je l'ai recommandé. Parce qu'en fait, on a voulu vous l'installer. En fait, Léa, elle a fait une banderole et on voulait vous l'accrocher pour vous montrer. De base, elle tenait et pile le premier jour du swap, bah, il s'est cassé. Le cadeau est tombé. À Lolo de compléter ce cadeau. Lolo, c'est son copain. C'est mon copain. Mais du coup, je pense que c'est un truc... Ah, mais c'est un vase aussi. Tu vas faire aussi un vase. Ouais, bah, j'espère qu'il va m'acheter des fleurs. Hein. Si tu regardes là... Je sais pas trop si tu vas avoir la collection. Mais non, H&M Home. Oui. Je voulais prendre le même. C'est vrai? Oui. Mais meuf, il est trop beau. Hein. Mais oui, et après, j'ai vu lui et je me suis dit non, je vais t'offrir lui. Bah, les deux, de toute façon, enfin, lui, j'adore. Non, mais oui, je suis fan. Mais vous allez voir tout de suite lequel. Mon pas le cœur. Voilà, oh, comment il aime, le truc s'est fermé. Mais ah, je suis trop contente. C'est un nouveau style. Ah, c'est ouais, c'est un nouveau style. Je pense que Lola. C'est pour des fausses fleurs en fait. Pour un maquillage parfait pour les fêtes. Non, pour un maquillage parfait. Parfait en gros pour les fêtes. Du make-up, mais avec les cadeaux, je suis sûre que je vais pas trouver ce que c'est. Fête. Mais. Je sais pas, c'est carré. C'est pas un petit make-up miniature? Non. Une petite boîte? Non. C'est pas miniature. C'est pas miniature, mais c'est dans une petite boîte? Ouais. Oh, j'ai reçu. Oh, oh là là, un rouge à lèvres, un mascara. Oh non, mais alors là, je suis fan. Oh non, en plus, un rouge à lèvres rouge, mais vraiment, c'est mes rouges à lèvres préférés. Ah, merci. Tu sais que je voulais prendre un rouge à lèvres. Vraiment, j'aime trop les rouges à lèvres. Et t'as vu le packaging de Noël? Comment ah non, mais il est incroyable. Vraiment, il est trop trop beau. Ah ouais, oh, mais il est incroyable. Tu sais que j'avais plus de mascara, hein. Ça va devenir mon nouveau mascara. Jamais testé, mais pratique pour l'hiver. Oh. Jamais testé, t'as jamais testé? Ni toi, tu vas pas trouver ça impossible. Ouais, j'ouvrirai alors. Ah, c'est fraîchi encore du coup? Ouais, c'est de la vitamine D. Oh, trop bien. Tu sais qu'en plus, je voulais trop m'acheter une crème justement pour ma nouvelle routine à la vitamine D justement. Ah bah voilà. Parce que j'ai vu que c'était super bien pour le visage. Ouais. Et c'est censé genre faire quoi? Genre fatigue, tout ça? Il y avait plein d'effets genre... Mais va sur internet sur Freshly genre... Ouais, vraiment, enfin, je regarderai. Par produit, ce qui est trop bien avec cette marque, vraiment j'ai trouvé... Tu vas sur internet, il y a le produit, ça t'explique tout comment tu le mets, à quoi ça sert et tout. Vraiment, je me suis grave intéressée et c'est pour ça que j'ai essayé de prendre des produits, tu sais, qui pouvaient plus te correspondre. Mais c'est trop bien. Merci. Tu me diras quand tu l'auras testé. Oui. Un peu d'écologie dans ce swap. Fais pas attention, je suis vraiment hyper rouge et super chaud. Ça, je pense, c'est un peu les trucs du genre coton démaquillant réutilisable ou ouais, des trucs comme ça, genre gants démaquillant réutilisables. C'est quoi comme marque? C'est ça. C'est des cotons réutilisables. Ah, mais en vrai, c'est trop bien. Il y en a 8, comme ça, t'es pas obligé de les laver tout le temps. Parce que moi, perso, j'en ai, mais je crois que j'en ai 2, faut les laver tout le temps. Donc en fait, bah, j'ai la flemme, faudrait que j'en rachète. Ah, c'est trop bien, la matière, elle a l'air trop bien. Je les ai achetés chez Max Bazar. Que ça là-bas. À moi. 8, on en a jamais assez, surtout avec le froid qui arrive. Ok, tu m'as dit offert des pantoufles. Attends, 8, ça rentre dedans. Bah, je sais pas, on dirait une petite crème pour les mains ou un truc comme ça, mais je sais pas. Je t'ai vu. C'est une crème pour les mains, ouais. Adopte, oh, mais trop bien, au beurre de karité. Ça sent bon. Oh, j'adore. Merci, j'aime trop. Bon, aujourd'hui, on va ouvrir 2 cadeaux parce que du coup, j'étais pas là hier non plus. Mais en vrai, c'est cool. Il est gros, le neuf. Nouvelle maison est égale nouvelle organisation. En fait, je sais pas si on l'a dit, mais on va déménager. Du coup, bah, c'est pour ça qu'on s'offre un peu de la déco en vrai. C'est pour ça que moi, j'ai l'a dit, mais je pour le vase, ouais. Je sais plus si on l'avait dit, mais pour le vase, t'as dit dans ta nouvelle chambre et tout. C'est un panier. Elle me dit oui, ça oui. Ah, j'adore. Ah, il est trop beau. Ah, vraiment, je l'adore. Ça va trop bien faire. Ah non, ça, j'aime trop. Je voudrais mettre mes petits coteaux. Merci. 9, parce que c'est ton odeur favorite. La vanille. Un truc à la vanille, c'est sûr. Mais je sais ça pourrait être, c'est super bien. Bah, en vrai, je dirais soit un coffret de bougies, mais que vanille, ça m'étonnerait. Soit... T'es sur la bonne voie. Oh, est-ce que ça serait pas comme je t'avais offert un jour, tu sais, avec les bâtons là, comment ça s'appelle? Blançon.
Non, je sais pas si ça vous va comme ça. Ah oui, c'est ça, je suis trop forte. Oh non, j'adore. Ah voilà, un diffuseur de parfum. Oh, à la vanille. Ah non, mais lui, il est trop beau. Ah non, mais je montre l'heure correctement. Je le trouvais super beau. Ah, mais il est trop magnifique. Trop beau. Attends, j'ai trop envie d'ouvrir et de sentir. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Merci, vraiment, j'adore. C'est dur d'en ouvrir qu'un aujourd'hui. Je suis toujours autant excitée. Ouais, aujourd'hui, ouais, parce que pour décorer ta nouvelle chambre, j'aime trop en vrai que tu m'as dit la déco. C'est un truc pour mettre les photos, je pense. Ah oui, c'est ça. Un pêle-mêle personnalisé. Personnalisable. Enfin bref. Trop bien. Pour en gros, j'ai les 4 photos, les petites pinces et c'est moi qui... Enfin, c'est moi qui fais comme je veux. Tu sais qu'en plus, j'ai vu un truc là. Je regarde un peu les décos de chambre. Et j'ai vu un truc justement avec les pinces comme ça et je suis trop fan. Ouais, j'aime trop mieux. Trop contente. Merci. Alors. Allez, à moi. T'étais un peu jalouse de 6 miennes, non? Non, de la mienne. Ah, de la mienne, non. T'étais un peu jalouse de la mienne, non? C'est hyper beau. Oh, la crème du brochet à la vanille. Ah, je suis sûre que c'est ça. Oh non, j'étais très mon fils. Je suis trop forte. Ah, c'est une crème brochet. Quand j'avais vu qu'elle l'avait, j'étais trop jalouse parce que bah en fait la vanille c'est mon odeur préférée, je l'ai dit hier. Et franchement j'adore. Oh non, j'adore. Ah, oh, j'ai trop hâte de la tester. Merci. Oh, j'aime trop. Bon, ce soir on va ouvrir les 2 derniers cadeaux de cette première vidéo. Franchement c'est déjà terminé. C'est passé hyper vite. Ouais, vraiment, j'en reviens pas en fait comment ça passe. Hyper vite, genre j'attendais que ça qu'on soit au calendrier de l'Avent et là je me dis non, faut que ça s'arrête, genre vraiment. Du coup on va ouvrir le 11 et le 12. Très instagrammable. Ah, en petite forme de maison, je pense que ça doit être des soins. Ah, ça me dit un truc, je crois que j'ai déjà vu. Impossible. Ah ouais? Ouais, tu attendras pas. Ah bah j'ouvre rien alors. Ah, c'est une bougie. Ah, j'adore. Vous savez, c'est les bougies qui ont des formes, genre les bougies bulles. Là c'est une trop bougie belle. Ah mais j'adore, mais je vais jamais l'allumer hein. Oh, ça va grave aller dans ma déco. Bah je me suis dit ça en fait. Genre, ah, elle est incroyable. Je sais même pas si j'ai pris avec une odeur parce que je me suis dit que tu l'allumerais jamais. Je pense que j'ai quand même pris. Parce qu'il y a sans odeur. Ouais. Ah, vous avez vu, elle a 2 mèches. Ah mais ça en fait c'est trop bien parce que imagine, là ça peut plus consumer. Tu peux la retourner. Mais du coup, je l'ai acheté chez un petit artisan. Et du coup, c'était son propre emballage, la maison. Donc, je me suis dit qu'en touchant l'aspect, tu trouverais jamais ce que c'est. Ah ouais, non. Oh, mais j'adore. Par contre, si, ça sent quand même bon. Non, mais en fait, je crois que j'ai pris avec une odeur. Allez, à moi. Pour des moments de détente cet hiver, et j'espère que tu dormiras mieux maintenant. 11. C'est un truc ritual. Meuf, je pense à ce que c'est. C'est du thé pour mieux dormir. Tu sais, c'est ça, et je l'ai vu. J'en ai parlé à mon copain, là, il y a même pas une semaine, j'en ai parlé. J'ai dit, je crois que je suis tellement dépitée que je vais prendre ça. Genre, vraiment, j'ai des gros problèmes de sommeil. Ah ouais, c'est ça. Déjà, ça sent à travers, ça sent super bon. Tu me diras si ça marche. Hein. Slip. Ah non, mais meuf, tu sais que vraiment, je pense que je vais le prendre dès ce soir. Hein. Elle va vous montrer, mais le packaging. Ah ouais, je vais vous montrer, mais d'abord, c'est incroyable. Vraiment, j'ai découvert. En fait, je suis allée chez Rituals. Ah mais c'est des sachets, oh trop bien. Un petit bruit. Mais je suis allée chez Rituals et franchement j'ai découvert plein de trucs qui, enfin plein de trucs nouveaux que je savais même pas qu'ils avaient fait. Franchement c'est incroyable comment ils se sont développés. Il y a plein de trucs trop bien, mais ça c'est vrai que ça me correspond. Merci, j'aime trop. Comment ne pas t'offrir un ou des produits de cette marque? Faut que tu réfléchisses à une marque qu'on adore et que tu peux pas offrir encore. On adore. Mais c'est en coffret. À l'aspect, j'ai l'impression que c'est des dopes. Mais genre, je savais pas qu'ils faisaient des coffrets, donc je pense pas. Bah allez. Ah non, c'est Yves Rocher, je pense peut-être. Ah oui, c'est Yves Rocher. J'ai eu une illumination à la fin. Oh, ah, je suis trop contente. C'est l'édition de Noël. Oh non, je suis trop contente. En plus, j'ai offert à des copines 2 petits trucs de cette odeur. Et je me suis dit, vas-y, ça sent trop bon, j'ai trop envie de m'y prendre. Sauf qu'en fait, là, au mois de décembre, on s'était arrêté de s'acheter plein de trucs. Parce que sinon, bah, ça, typiquement, on se serait acheté ça. Et donc, on voulait pas se retrouver avec des choses en doublon. Il y a une crème pour les mains, un gel douche et un gel lavant-main. Tu sais que je l'ai depuis longtemps. J'adore. Merci. De rien. Merci. Pour des cheveux soignés en toutes circonstances et 12 bis parce que c'est déjà la moitié. Déjà la moitié. Oui, déjà la moitié. Donc je suis censée trouver un 12 et un 12 bis. Attends, c'est un truc pour les cheveux? Bah, je sais pas. Enfin, je comprends pas. On dirait une crème, mais je comprends pas ce que ça fait. Je connais pas des trucs pour les cheveux de cet aspect. Ouais, je sais pas, une crème, un gel douche,
En après-shampoing, je sais pas. Un masque, c'est quoi, une brochette. Ah, soin réparateur multi-usage sans rinçage. Oh, mais trop bien, j'aime trop. Moi, vraiment, j'ai un problème. J'aime faut qu'elle ait les mêmes cheveux que moi, là. Voilà. J'aime trop prendre soin de mes cheveux, mais j'ai la flemme, en fait. Bon, et 12 bis, parce que c'est déjà la moitié. Bah, je sais pas, je pense que t'as refait du chocolat, un truc comme ça. Mais alors là... Non, je peux pas, si tu trouves pas comme ça. Tu trouves pas comment? Comme ça. Bon, on voit ce que ça fait. Et Léa! Ah, des menus! Sans Léa, ça aurait fait grave du bruit. Un paquet comme ça! Comment ça va? Ouvre, je vais la tuer. Attends. Léa, je t'aurais pas offert des M&M's, c'est pas le truc que je préfère le plus. Des chocobons! Oui! Oh. Oh! Il faut avouer un truc. Le jour 1, j'ai eu un Père Noël en chocolat, je l'ai bien mangé. Bah oui, Louis. Bah, ouais. Maman, je vais re-du chocolat. Merci, merci, merci. Surtout que les chocobons, vraiment, on ouvre le paquet, c'est entièrement fini. Hein. Donc voilà, la vidéo est terminée, la partie 1 est terminée. Franchement, c'est passé trop vite. Trop hâte de faire la partie 2. Ah ouais, on a trop hâte de tout ouvrir et de vous montrer. Donc j'espère que la première partie vous a plu et on se retrouve pour la deuxième partie la semaine prochaine. Salut!